Soit que vous êtes jardinier, herboriste, botaniste ou tout simplement quelqu'un qui aime la nature et qui est parmi nous n'aime pas la nature avec sa flore de différentes couleurs et les odeurs qu'elle dégage. Des fois, vous restez bouche bée devant des plantes. Vous ne savez pas comment elles s'appellent et à quoi servent. Sachez que grâce à une petite application que vous allez installer sur votre smartphone tourneau sous Android et aussi sous iOS, vous allez pouvoir identifier n'importe quelle plante et avoir plus de détails. Pour ce faire, il faut installer l'application Pucktilvis, disponible sur Play Store pour Android et sur App Store pour iOS. Les liens pour l'installer, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Après installation, vous allez venir ici et toucher. Après, vous allez créer votre compte auquel vous allez renseigner votre adresse email et un mot de passe. Bien sûr, ce service n'est pas gratuit, mais le prix est abordable pour tout le monde, vu l'importance de cette dernière. Pour identifier une plante, soit que vous allez prendre directement une photo de la plante ou vous pouvez avoir tout simplement un petit bout de la plante concernée. Puis vous allez toucher sur la caméra ici. Voilà la plante. Voilà, donc vous allez viser le bout ou la plante. Il faut que les mains soient nettes, puis toucher sur le signe de la caméra. Donc l'application scanne la plante pour la détailler. Voilà, il s'agit de la marjolaine sauvage avec différentes photos. Pour voir plus de détails sur la plante, il suffit de toucher plus de détails et vous allez être redirigé vers une description complète de la plante, les effets intéressants, la description et bien sûr le symbole, la valeur économique, valeur médicinale, contre-indication, l'utilisation de jardin, etc. Donc une description complète sur la plante, à quoi sert-il, ses vertus médicinales, son utilisation économique, etc. Vous pouvez toucher ici pour faire une affiche de la plante. On va identifier une autre plante. Je touche le signe de la caméra. J'essaye de prendre une photo nette de la plante concernée. Je touche ici et l'application maintenant scanne la plante pour la détailler minutieusement. Et voilà, comme vous remarquez le résultat. Il s'agit de la tomate morale d'Amérique, douce amère. Pour avoir plus de détails, il suffit, comme on a vu, de toucher détails. Et voilà, c'est génial. Cela nomme l'éco-persuco, description, la plante de tomate est une plante herbacée, etc. Voilà, vous avez maintenant les détails de cette plante. Maintenant, en utilisant cette application, comme si vous avez un botaniste dans votre poche, il va vous servir pour identifier rapidement et minutieusement tout type de plante. Fini d'aller sur le net pour chercher ces photos des plantes, à comparer et les chercher. Ça va prendre beaucoup de temps et ce n'est pas exact. Avec cette petite application, vous allez pouvoir identifier minutieusement, rapidement et efficacement n'importe quelle plante. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications. À la prochaine fois.